Salut les viewers et les viewuses, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Cube World. On continue, vous avez tous choisi en grande partie... En grande partie, les Wetlands pour pouvoir continuer l'aventure dans différents biomes. J'ai pu repérer sur la map la ville qui est ici. Le problème c'est quand on va descendre, on va finir par ne plus être... à même d'utiliser le glider, on va le perdre même. Je vois déjà que là-bas il y a quelque chose d'intéressant. Et que là il y a une grosse... Un colisée ? What the fuck ? Ok. Bon, on s'est posé, j'ai pas voulu aller trop vite pour éviter de tomber bêtement. Je pense qu'on s'approche de... La frontière, je voudrais que ce moment-là, ça soit fait ensemble. J'aurais pu sortir le pet pour aller plus vite sur la... On marche plus vite normalement ici. Voilà. Le rythme est complètement différent. Toujours dans les Jadar Hills. Il y a une espèce de colisée, slash ville. Ça fait pas partie de masse. Il y a des ennemis aussi. Des spectres ? Non, des squelettes. C'est juste des squelettes, mais ça c'est autre chose. Un Frightener. Voilà, Damatar Lands. Et donc, officiellement, vous voyez, notre équipement est devenu... Donc on va équiper l'équipement qui est un petit peu mieux. Je sais pas dans quelle mesure. C'est plutôt un bon début pour un premier événement. Une peanut, j'en ai déjà une. J'arrive ! Oh ! Ah, son canasson, il est magnifique ! Je veux un canasson pareil, s'il vous plaît. Je veux le même. Par contre, j'ai vraiment pas l'impression de... Ah ouais, on sent que c'est pas... C'est pas comme ça que ça marche, hein, comme on dit. Bon, j'imagine qu'il faut que j'en bute un certain nombre. Clairement, le... Oh, putain, du leftover violet sur du leftover violet, par contre, c'est cool. Mais, clairement, on sent que c'est pas fait pour DPS, ce build. Cette espèce de... Ah, t'es là. Dis-moi ce qu'il y a. Ouais, voilà, c'est bien ça. Faut que je bute du squelette et autres. Un monsieur qui est en danger là-bas. Blang. Hop là. Ça c'est fait. Ça passe mieux, sous cette forme, mais... Ouh, une glace flat. Encore du leftover violet, donc c'est cool. Moi je ne dis pas non. Ah, le boss est apparu. Où est-il? Là-bas. Là-bas! Il a 15 000 PV. Ça doit vraiment être une saleté. Cancel, bitch! Pardon, sortez tout seul. Wouh, re-cancel! Tu peux te cloner autant que tu veux. Ça sera pas suffisant. Jaune qui tombe. On vient à peine de rentrer. Je viens de récupérer de la santé. La musique est épique, hein. En vrai, j'ai eu peur. En vrai, j'ai eu très très peur. C'est bon. Une masse à deux mains, ça va faire du bien.
Un book légendaire. Le légendaire en plus, c'est génial. Nice, nice, nice. On s'en est bien sorti. Et on a déjà plein d'équipements, faut être honnête, hein. Par contre, je vais rééquiper ça, hein. Désolé, mais là... Yann, c'est une masse à une main, autant pour moi. Je croyais que c'était un marteau à deux mains, mais... Tant pis. Alors, il y aurait une pompe à mana dans le coin. C'est marqué en haut à gauche de l'écran. Ce qui est un souci, faut le dire, hein. Parce qu'en fait, ça va avoir des effets sur notre mana. Il va descendre normalement plus vite. Ici, je n'ai pas de quoi... Hop, je vais donc le marquer. N'oubliez pas, le bouton du milieu pour pouvoir marquer les endroits. Si je traverse là, je peux rejoindre la... Ah mais traverser, ça va être chiant. Une petite île ici. J'ai pas de bateau! Ok, je vais pouvoir rejoindre la route. Et sur la route, vous marchez plus vite, alors profitez-en. Il y a un point de TP là-bas, mais il est loin par rapport à la ville. J'ai pas vu de point de TP autour de la ville. La question, c'est est-ce que ça vaut le coup? La question, c'est est-ce que ça vaut le coup de rester dans une région dans laquelle je ne peux pas rejoindre la ville le plus rapidement possible pour identifier les nouveaux objets? Est-ce qu'il faudrait pas directement passer dans la région suivante? Et vous voyez, là, j'en chie à rejoindre la ville, littéralement. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'utiliser le book de craft légendaire qu'on a déjà droppé, on a de la chance, pour aller farmer le fer dans l'autre région? Et une fois que le fer est farmé, bien sûr, je le farmerai en off, hein. Pas me faire chier à le faire en vidéo pour vous, hein. Ça vous méritez pas de voir ça, quoi. On va aller voir chez les vendeurs, mais les vendeurs, en début de région, ils ont pas grand-chose tant que vous avez pas débloqué beaucoup de gnomes. C'est là qu'on va regarder si on débloque pas de trucs avec des plus. Un shield. Encore. Non, le reste, j'ai rien avec un plus. Ah, y a pas de point de TP. Alors, à ma grande surprise, il y a une deuxième ville. Malheureusement, pas de point de TP autour non plus. Troisième village dans la région, je crois. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire plus de vendeurs. Je sais pas dans quelle mesure ils vont vendre des choses différentes ou non, mais y a pas 36 000 moyens de le savoir. Bon, y a forcément quelque chose autour de ce... Non, y'a rien. Ah! Ah ah! Je vous ai trouvé! Pas compris, hein. C'est quoi? Ils ont des noms, mais... Ah d'accord, c'est des espèces de Spikeman, non? Ah. Les mages d'eau sont pétés, je rappelle. Mais pas suffisamment. Du mage. Une épée. Les mecs, ils nagent dans la lave. Bon, très bien, j'ai un hôtel de vie. C'est plutôt cool, vu qu'il y a un événement là-bas. Et ce qu'il faudrait qu'on trouve aussi, c'est un moyen de se téléporter dans une ville. Les villes les plus proches sont assez loin. Quoique. Elle est assez proche, en vrai, on peut faire l'événement et le... Et rejoindre la ville. Ça, sans trop de soucis, normalement, c'est bon. On a du bol, finalement. Dans notre malheur, on a du bol. On a beaucoup de leftovers, au passage. Donc c'est assez cool. Il faut que je pense à ne pas vendre tout mon bordel. Je viens de m'y penser que maintenant. Pour les autres personnages. Ah là là. Faut que je crée les autres Marcus bonus. Le Marcus voleur, le Marcus ranger, le Marcus mage.
Cucu! C'est le cucus! Ok, il y a un monsieur emprisonné. Il y a des ogres. Bonjour. C'est les ogres? Ah non, je vois du rouge là-bas. Salutations. C'est des knobold. Des knobold. Ouh. Merci beaucoup. Ici. Hop là. Oui. Des épaulettes bleues. Mais genre avec du bleu dessus. C'est cool. J'en ai pas. Ah non, Jadar Hills. Tududung. Pourquoi tududung? Pipidibi. Voilà, merci, j'ai pu dormir. Donc maintenant, on va aller voir... J'ai eu peur que je la défonce. Le mec qui fait les leftovers. Qui est dans l'identifieur. Hein. L'identificateur. Je sais pas. Nope. Nope. Ok, merci quand même. Au revoir. On se reverra jamais, poteau. Il y aurait apparemment dans le coin un camp. Effectivement, il y a un camp et normalement il devrait y avoir autour du camp une flûte posée sur le sol. Une flûte, un sifflet, que dis-je? Un petit instrument. Il n'y a plus qu'à chercher, hein. Ouais, je t'ai pas vu mon sifflet, connard! Ah, d'accord, il est posé sur un... Bon, c'est vrai que c'est RP. Pour le coup, c'est RP. Bon, elle pivote encore, mais... Ah non, même pas. Bon, tout est à chaille dans cette région, hein, quand même. Hein. Allez, plus qu'un étage. Jamor Menhir. Bon, si c'est un menhir, ça peut pas être violent, un menhir. C'est un... Quoique, il y a les rocklings, c'est des cailloux. Ok, je suis pratiquement en haut. Ah. Ça va poser problème, effectivement. Bon, c'est joli, hein. C'est un joli menhir. Non! Vengeance! Attendons que les planètes soient en parfait alignement! Merde, crédit! Décède! Divisé pour mieux régner! Divisé pour mieux régner! Oui! Papa! Viens voir papa! «
Mais t'es un mage, pourquoi t'as autant d'armure? Ah, j'ai eu peur l'espace d'un instant. Ah ouais, d'accord, des trucs de ranger, les trucs de mage, mais alors pour le... pour le truc de guerrier, je peux me le carrer profondément dans le fion, hein, dans le croupion, hein, dans la nu, hein, dans le... Coup de balle ? Tout est libre. Un saphir. Eh ben voilà ! C'était pas compliqué de me lâcher une grosse hache. Voilà ! Qu'est-ce que je peux réclamer de plus maintenant ? Une crypte et un point de TP, pourquoi pas. Et lui la crypte. Est-ce que j'aurais pas à prendre le point de TP d'abord ? Franchement, pourquoi faire ? C'est tout ? Ah, c'est une répétable en plus. La petite épée, ça veut dire que la quête est répétable journalièrement. Hein. Tous les jours, vous pouvez revenir la faire et récupérer du loot. Il y a tellement peu de points de TP. Ça va. C'est un chat. Ok. On l'avait pas encore vu dans le jeu. Hop là. C'est bon? Le point de TP est fait. On est à environ une heure de tournage, les amis. On va se laisser là. Une région. Pour le dire, casse-couille. Y a pas beaucoup de points de TP. Ils sont tous assez mal placés vis-à-vis des différents points d'intérêt. Donc, ouais, c'est pas de bol. Je m'attendais à beaucoup mieux. J'ai peut-être trop réfléchi. Du coup, le karma m'a puni. Touché. Je sais pas. Bon, en tout cas, moi, je vous laisse là. Et je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. Voilà, je vais m'en mettre à tourner. Alors ça doit être le donjon, du coup, y aller maintenant, c'est peut-être pas extrêmement intéressant. À voir. Cela dit, une fois qu'on l'aurait fait, on pourrait passer à la suite, à la région suivante, peut-être. Avec le différent loot qu'il y aurait dedans. Ah, ça pourrait être intéressant. À voir. Salut!